Sinon, coucou, c'est Chantal, c'est samedi et c'est Sam. Donc, on va l'appeler Samuel. C'est un nom, c'est une fille, mais c'est un nom qu'on appelle qui fait autant pour garçon que pour fille. Mais habituellement, c'est pas mal plus. Donc, dans la petite histoire, on va l'appeler Sea Chief. On sait pas si Sea Chief, pourquoi l'aliénation. Donc, Sea Chief, elle est en train d'aliéner Samuel. Elle lui pose des questions. Et dans les questions qu'elle lui pose, elle veut savoir si Samuel, elle subit des attouchements de son père, de son grand-père, de son oncle, de sa gardienne. Donc, elle lui en met beaucoup. Lui, il t'a pas touché? Non. Lui, celui-là, est-ce qu'il t'a touché? Ou celui-là, il t'a touché? Est-ce que celui-là t'a touché? Donc, elle passe au peigne fin tous les membres de la famille. On dit. On va l'appeler Sea Chief. Sea Chief, qu'est-ce qu'elle est en train de faire dans la tête de Samuel avec ces questions-là? Donc, je ne donnerai pas de réponse parce que là, on dit on peut pousser encore plus loin. Pousse, 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 pousse. Quand un enfant arrive, puis qu'il y a des propos, puis elle peut commencer à dire, papa m'a touché, grand-père m'a touché, mon oncle m'a touché, le voisin m'a touché. Ça en fait beaucoup. Pour pousser, on dit à quelque part, est-ce que Nathalie a peut-être eu raison de questionner, est-ce que tout ce monde-là t'a touché? Est-ce qu'ils t'ont touché ou bien ils t'ont aussi pincé? Ouais, ils m'ont pincé. Ils t'ont pincé. Ouais. À quel endroit qu'ils t'ont pincé? Et qui t'a pincé? C'est qui t'a pincé?